Ça que fait ça, c'est parce que on est même gens yo ka touye ya, c'est dans même niveau à tout, miskade a touye yo tout. Pas plus tard qu'avant hier ou bien hier. Mais oui, hier, gon zami qui voyait yon link yon petit vidéo que Valérie Numa qui a parlé de commissaire Muscadet. Avant que m'aller dans sous problème nan m'a parlé nous qui côté nous sorti pour nous arriver là. M'a battu un gros bravo pour Valérie Numa. Et m'a pral profiter pour me faire nous tendre intervention Valérie Numa. C'est le bagage que moi dis chaque jour et c'est position pam dans bataille contre gang dans pays d'Haïti. Muscadet c'est mezi bouda bandi yo. Pas de moyen pour traverser ni pour Muscadet quoi avoir pour patrouille yo. Ça veut dire que même j'en touye moun nan, nous gon moun kap touye nous dans dimension ça tout. Et non, c'est Muscadet. Et c'est lui qui baille d'eau. Sous écran là. Ok. On nous met des petits bouts de tête ça. Mais l'homme, Jean-Ernest Muscadet. Et maintenant, minute n'a parlé là. Muscadet, gouti volo qu'elle vide à terre. Selon ça que nous avons nous comme information, Pierre Espérance a niché près de créole quand m'a parlé là. Pierre Espérance a niché près de créole dans le moment où on a parlé là. Parce que, pas oublier, attaque que nous avons bout de baffé sous commissaire agressé, Pierre Espérance pas documenté, il pas parlé de lui parce que tout simplement, il connaît que c'est Nenel Kassi qui cache derrière elle. C'est pour faire avancer agenda politique Nenel Kassi et que la prend commissaire agressé, de Gressier la patrie Léogane, de Léogane, objectif là, c'est atterrir Grand Gouave Tigouave et puis pour Chalon en face yo. Le Samira Gouane, il y a plein de plamé yo, quand c'était volo kap gen yo. Tout gang yo, il y a pris tout de suite le net. Eh bien, Muscadet, nous disons, gardez, garçon. C'est Kounia pour rassurer que ou ka met balle sous vagabond, parce que l'idée de Nenel Kassi, c'est mettre gang tout partout, sous côte sud là, pour le capable de prendre des battements de plan, parce que le besoin de tourner l'élection qui est pour faire dans le pays. Nenel Kassi. Pierre Espérance compte tout bagay sa yo, et ça cause après. Il y a un petit volo que, par un volo à Nenel Kassi, le commissaire Muscadet dit, mais nous, comme volo là, si gang sa et gang village de Dieu, viens prendre. Nenel Kassi, comment le commissaire Muscadet al prendre. Li frappe li, et bien, yon femme connaît que Pierre Espérance décide lui-même pour que li produit un rapport là. Pour faire comprendre que Muscadet a fait un pile crime. Et m'te dit nous comme ça que, c'était un rapport qu'elle t'a envie produit pour te voyer dans l'ONU. Li pas fait pour l'année 2023. Peuple haïtien, maintenant de nous veiller Pierre Espérance en haut, veiller monsieur en bas. Yon femme connaît que monsieur déjà préparé pour le crayon. Lui même pour le préparer rapport ça, pour rapport ça, aller dans l'ONU à partir du mois de septembre 2024 cap vin là. Sou qui est même je nous tout elle fait pour Jimmy Cherizier alias barbecue, Pierre Espérance a fait tout pour commissaire Jean Ernest Muscadet. Ça veut dire que étiquette gang non, Pierre Espérance pour que je nous moyen pour le mettre sous dos. Commissaire Muscadet, même je le fait pour barbecue, l'a fait pour commissaire Jean Ernest Muscadet pour le faire. L'ONI reconnaît que, comme quoi que Muscadet son véritable chef de gang, parce que M. Dil à plusieurs reprises, elle documente elle, parce que véritable obstacle politique, véritable moun qui campait en face de Nenel Kassi dans le département ni plan, pour qu'elle pas pourri ni plan avec gang, lire les gens Ernest Muscadet. Dans ce sens, ça, ou même comme peuple qui décide camper derrière Muscadet, ou gon façon pour garder Pierre Espérance en dans pays. Et vous avez un engagement pas pour comprendre, pour qu'on capable de faire Pierre Espérance, qu'on est qu'elle doit rester dans le wall. Et si vous pas fait, puis devant capable, on dit j'en regrette. Parce que quand c'est politique, ça pense que l'ICE Haïti, l'équipe doit pour faire tout le monde de bien, tout le monde capable défendre peut pas ici en mal. Parce que vous pas jamais fait rien. Même qu'on est que c'est le monde qui est cran, le monde qui est cran son entaille, qui va dans tête pays. Mais quand qu'on son fait, qui prend tête pays d'Haïti, en vérité, bon Dieu, Pierre Espérance, pas jamais capable, oser, pour la parler de dossier de droits humains. Parce qu'on a pour un côté, vous machine pas frappe ou bien vous foutez prend ou vous crasez un poudre, machine pas frappe ou. Salope sale. Qui côté Haïti sorti pour arriver là? Nous pourrons parler de ça, dans le cas d'émission ça. Mais entre temps, l'extrêmement important pour que nous partagions
si intervention ça que Valérie Nima fait sous commissaire Muscadet et sous monde qui a attaqué commissaire Muscadet. Et me dit bravo avec Valérie Nima parce que faut jeune des monde qui a courage qui capable parler parole là dans niveau y a parler là parce que tout nèg de Port-au-Prince yo tout yo contre Muscadet parce que Pierre Espérance contre Muscadet parce que politicien yo peur Muscadet. Tout nèg dans micro Port-au-Prince yo contre Muscadet. Ou après a essayer passer sous côté parce que contre Muscadet son manger ranger peuple avec entendez journaliste Valérie Nima entendez ça. Bandi yo fait tout gros point tout gros gorge tout côté. Mais yo connaît ni plan c'est tombeau. Exactement. Songez me dit nous pour pas sous ça. Mais dit nous depuis jour dit a on nèg et toute flèche ou gain jodi a c'est Muscadet on estime qui problème pays a moi metto dans même lot à bandi yo tout. Exactement. Ça veut dire que et au son MD dit gain trois catégories gain bandi yo gain allié bandi yo gain moun qui sous influence bandi yo. Depuis moun jodi a moun ouè qui mérite attaqué et pour ouè c'est commissaire Muscadet lié ou son allié bandi ou son allié gang ou son gang jodi a ou son allié bandi aussi simple que ça. OK et c'est pour ça m'pa regrette que m'pa nan micro pou m'nan fait interview avec moun parce que moun ta vinn camper c'est ça on raconter devant m'dabdou mon frère assumer responsabilité son allié bandi période. OK? Bravo. Muscadet nèg débarqué, tout homme est dehors. Tout bout de bandi la gueule. OK, donc la police c'est pas seulement ou bien sécurité, c'est pas seulement on a fait de pile zam paquet moyen. Non. Non, il y a volonté là-dedans et il y a stratégie. Il y a volonté, il y a stratégie. OK? On y a bandi avini par exemple groupe bandi ça qui ça fait yo prend contrôle espace ça grecier résultat qu'on quantité moun qui quitté zone côté été habité yo fait 4 heures de temps 6 heures de temps 8 heures de temps à marcher pour aller l'autre côté notamment dans sud-est ou bien des côtés qui dans après Tigouave etc. D'accord. Ou pour quantité moun sa yo, avec ti paquet en bas bras yo, ti paquet sous tête yo, et des grands moun qui pas même ka marcher. Ou pour quantité de moun qui oblige à quitter. OK? Maintenant, moun sa yo, ou fè yo tout to sa, donc, ou gon gren moun qui doit se débarquer comme leader. OK? Avec autorité li, et puis tout nèg boisé. Tout nèg la rivière. Côté yo. Pour qu'ils ne soient pas traités. Pour qu'ils ne soient pas traités. Ils ne sont pas arrêtés parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont connu qui ne peuvent pas traiter langue avec yo. Aussi simple que ça. Parce que si Bandia, comprenez le raisonnement, si Bandia vient de tuer 50 personnes, et puis là, il finit de battre l'estomac, il finit de tuer 50 personnes. Et puis bon, et la vie continue. OK? Maintenant, vous sortez pour expliquer que, je dis à un contexte que nous y a, même si la population est croisée avec même monde qui finit de tuer 50 personnes, pour arrêter, ou dit que ou... Yon même c'est pour chercher un petit code pit, Mario. Pour yon pote yon qui côté? Dans commissariat. Pour yon mène yon dans commissariat qui pi priya. Qui commissariat? Madame, non. T'as le bien. Pas promotion d'autre, monsieur Valérie Nima. Papa, ici, écoute. Gon chef de gang dans le pays ya, qui cache de yon bagay qui rele, organisation kap défendre doua moun. Non théorie sa li rele, Pierre Espérance. Li pi criminel que ISO 5 secondes. Li pi assassin que vite l'homme innocent. Li pi gang sale que l'amour sans jour. Li pi méchant que Jeff Canaran. Et bien, chef de gang, ça lui-même, bandi a touye moun, tout côté Port-au-Prince, li pa di rien. Koutan de ces peuples-là qui prennent gang, li dit que peuple-là,
pas doué ba tête li justice, il doit prendre la mettre dans commissariat qui plus près. Come on man. Volant ça pas doué dans pays ya. Il doit faire monsieur sauter quitter pays parce que son terroriste koyé ou a protéger gangou et puis la vie moun de bien pas veut dire rien et puis ou dit que ou a défendre droit moun droit qui moun a défendre si voleur sans sale, si vagabond. Et c'est ça pour nous parler dans pays pour le moment. Mon pas ou toujours joine on sait des journalistes vicieux de Jolbokier, ils ont la protéger voleur. Ils ont toléré monsieur Jean Lier. Yo il est en bête sauvage qui pas qu'on a rien dans question bagaille comme si doit humain mais qui cache nos bagaille autant de dou l'a défendre droit moun pour le capable faire toute qualité politique sali jusqu'à ce qu'il touille président et puis au style toléré dans pays. C'est gang monsieur s'a défendre et c'est gang monsieur s'a protéger dans pays et c'est gang monsieur et gangsteriser monsieur s'a gangsteriser plus avantage payer plus avantage. Monsieur pense le café population pète touille gang et puis gang même n'a touille population Jean vle le vle. Et puis la population pote bourré sous gang nan, li pou du rapport. Il dit ou un tel, li index son moun. Li avili moun nan. Là le prenons le voye dans l'ONU. Li avili ou. Li détruit ou. Et puis tout moun campé pour abgade Pierre Espérance dans les yeux, comme si ba ki normal pour ne rakampé le peuple. Pour avili policier, faire révoquer la police dans la police, détruire moun nan société ya, assassiner caractère président, pour patron l'altouye physiquement, et puis tout moun capable gade l. L'a fonctionné. Mais je dis, l'a préparé à Paul pour le voyer dans l'ONU sous Miskade. Pour aïe se prendre ça, c'est le dernier rapport Pierre Espérance a produit dans le pays. Peuple a dû marrer au foutre en bas code, commencer à battre dans toute la rue. Et c'est comme ça le doit fait. Peuple a dû marrer ou fréter ou toute la rue, faut marcher pied à terre dans le presse. Il va baiser tout. Parce que bon Dieu, doué, ou doit être là pour garder douleur, ça qu'on fait pays, ça qui mal. Puis quand on a le prince, ça pour. Pas que mon qui est dans tout. Il va dans tout. Mais peuple a dû prendre marrer ou débrader, comme c'est foutre coup de rigoise, marcher tout compte avant, pied à terre de Tony, dans le presse. Pour payer son fait. Vacabon, il est très bête sauvage. Ou méchant pile, ou criminel en pile. Mais je dis, M. Précréon, pour le café, dans le casse plaisir. Parce que, pas oublier, élection, il y a élection pour faire dans le pays quand même. Dans le casse besoin il reprend contre le débat de manip. Pour le faire, il faut mettre gang pas si pas là. Mais il n'y a pas qu'à mettre gang avec Nenel Kassi. Chaque type de gang qui vient, Nenel Kassi, comme ça, Miskade, qui est le dépendant. Pas d'espoir pour Nenel Kassi en élection. Et tout leader politique dans le pays d'Haïti, il fait politique avec un grand bagaille, gang pas si pas là, mette gang avec ZAM pour contrôler le bureau de vote. Pour être capable bourrer boîte inyo pour qu'il gagne l'élection. Suivez pour en la Tibonite. Il n'y a pas jamais perdu l'élection dans la Tibonite, tout autant que pas de monde qui est capable de mettre l'ordre dans des zones dans la Tibonite. Il a toujours gagné l'élection. Et Valéa Beauplan, de ne pas contrôler le département nord de ce pays, il a toujours gagné l'élection. Parce qu'il y a un réseau gang pal, gang électoral, qui a gagné ZAM nan men pour contrôler le bureau de vote pour lui. Mais qui doit mettre sécurité pour lui, mettre effectif dans la police pour contrôler le bureau de vote, ou après c'est la gagné l'élection. Surtout l'élection qui pour faire, ou à dire que le gagné. Parce que nous là, fois ça. Et nous là, nous avons contrôlé, fois ça. On sait que là, le peuple a banni une image, une vidéo, une photo, à la seconde. Élection qui pour faire dans le pays, c'est nous qui avons fait comme peuple. Et c'est nous qui avons fait le choix qu'est-ce que nous voulons, et c'est nous qui avons passé comme député, comme sénateur, comme magistrat, comme président de la République. Un méchant. En avancé, Valérie m'a parlé. Qui compte que le commissaire a pris ça? Qui compte que le commissaire a pris ça? Comprenez le raisonnement? Hein? Ça ne vient pas proportionnel. On est un groupe qui vient de tuer une quantité de monde. Yo tue une quantité de monde, yo font massacre. Ou dit depuis yo croisé avec yo même essayer kembe yo, prendre un gros âme la main yo, essayer kembe yo et comprendre et chercher un petit coup de pit et marer là dans bras bien 23 bananes et puis qu'on y a wa ou comprendre. Ça c'est des monde qui a rêvé. Ça c'est des monde qui a rêvé. Oui dans le cadre de l'état de droit, c'est comme ça pour lier. Mais nous parlons d'état de droit. Le problème, là, c'est que nous ne comprenons pas que nous parlons d'état de droit. Nous parlons d'état de droit. État de droit a vini, mais nous parlons d'état de droit. OK? Par exemple, ça, il y a 2 semaines. Et il y a des travaux qui ont fait. Il y a campé des machines qui sont sous Port-au-Prince. Qui pral Jérémy, et puis moi, une opération qui a fait sur le campé rien. Ya. Et puis, yo marié plusieurs garçons. Yo marié plusieurs garçons.
Moi, à l'anti, je parle avec un homme qui tape une opération, qui est dans l'opération, qui est un Udmo. Et puis, je confirme même que deux nègres qui sont là, ils viennent à tous les logos bandits sur eux. Tout tatou bandits sur eux. 5 secondes, et puis ils vivent. Ok. Évidemment, ils ont une chance. Ils ont une chance, c'est dans le sud. Et pas dans le Nip. Ils ont une chance. Et pas dans le Nip. Ils ont une chance. Ils ont dans la grande prison. Ok? Ils ont mis dans la prison au Kai. Ils ont une chance. Ils ont pris une chance, ils ont traversé Nip. Mais ils ont une antenne qui fait que ils ont un bio parce que moi, ils ont campé Papa Dap, ils ont campé une grosse machine Jérémy, un bus Jérémy. Et puis, ils ont pris un dans. Encore une fois, ils ont une chance, c'est là, ils ont un bio. C'est peut-être un bio dans Nip. Ok? Ils ont géré. Yo gen chans y a parlé, y a expliqué des bagages, etc. Et l'anip pour te kembe yo. Et Muscadin pour te venir avec yo. Le sa, le kap parle de l'état de droit yo, le sa n'attend que yo vinal. Parce que, gen de avou kam dan de kap parle. Mais, m'pense que, gomba y bon d'affaire yo, monsieur dam avou kam, monsieur avouka, yo gars som dante, monsieur avouka kap parle yo. C'est pour n'dale. Dans prison yo al fait dossier pour yo prendre dossier et puis défendre yo parce que yo gagne droit à défense et pour n'al défendre yo al défendre yo et yo n'al défendre pendant que l'estomac yo gagne gros tatou 5 secondes avec l'autre côté yo affilié dans gang ya ça pour faire ça nous paraît tout corps nous paraît tout corps nous parce que ça arrivé. Gon menti pour ne pas bailler tête nous. Gen des groupes moun nan appartenu avec li. C'est clair que li djou mais qui ça le fait. Automatique. C'est bandi que lié, c'est terroriste que lié. Dan nou avocat qui dit k'ap mande pour que dan nou avocat k'ap mande pour que et cour international et contre Muscadin des bagay comme ça. Et puis, il prend des bagailles, il doit de l'homme, il prend des bagailles, que États-Unis, tôt ou tard, a fait ceci, a fait cela. Mais réponse que je vais pour avocat ça. Le Américain a cherché Ben Laden. Il a cherché Ben Laden, c'est avec une menotte. Petit code pit. Ça avec combien de notes tu as cherché Ben Laden? Petit code avec pit. Code pit, tu as cherché Ben Laden? Ou bien c'est gros opération ZAM, quel que soit côté, vous pour éliminer. Éclatez-le, et éclatez-le vrai. Parce que écoute, les gars, on l'ennemi. On l'ennemi. Ok? Ça veut dire que même lorsque tu as dit c'est l'ennemi américain, l'été. Mais. Pas oublier que gon quantité, pas seulement question de intérêt non mais gon quantité de monde qui victime de assaut Al-Qaïda. C'est vrai. Et moi-même ça que m'a dit honnêtement par rapport avec action que ti monsieur ça opposé en dans pays a moi-même toujours dit crime que nèg avec zam fait en dans pays. Alors m'a profiter pour me dire bonjour. Bonsoir tout le monde dépendamment de qui ou de qui là, ou de nous, ou regardez nous. Moi content justement comme d'habitude pour que m'ensemble avec nous aujourd'hui hein, qui c'est 14 mai 2024 là. M'a demandé de partager mission hein, pendant que n'a commenté, like, vous comprenez moi dans commentaire là, dit ça que une pensée, dit ça que une comprendre. Quittez une parole pour Pierre Espérance pour nous. C'est extrêmement important. Quittez des trois grains mots pour monsieur pour nous. Qui ça Pierre Espérance? Vous comprenez, moi, posez question et tout va réponse tout. Tout va réponse tout, oui. Vous comprenez, moi, tout va réponse là parce que c'est très intéressant. Je connais pas la velle. Et je connais pas la velle. Je suis content de pas la velle dans l'espace commentaire là. Fais ça pour nous parce que nous ne pas jouer. Nous ne pas jouer. Nous ne pas jouer avec volet. Nous ne pas jouer avec gang encore parce que nous avons payé que petit pays a payé des coups qui te payé. Ils ont besoin de tourner. Ils ont besoin de tourner la caillou. Petit pays a besoin de bac la caillou. Et faut que nous créions conditions pour que naturellement ils bac la caillou. Faut que nous gommions. Goumé pour tourner la caillou. Pas jouer avec volet, pas jouer avec criminel, pas jouer avec assassin. Prends engagement nous comme peuple. Prends responsabilité nous comme peuple. Pas jouer avec criminel. Faut nous goumé. On avance. Monsieur, ça a tellement fait mon crier dans Port-au-Prince.
Monsieur, c'est pas des moun nous n'exercent tout dans le pays, monsieur. Et que tu es policier, vous coupez tête policier, vous prenez plaisir à racher policier. Depuis que vous êtes dans la zone comme si qui ne veut collaborer avec vous, vous avez la caille, vous rachez petit, vous rachez madame, vous trouvez papa, vous trouvez toute famille net. Pas de rapport, non? Pas de rapport que l'organisation doit assumer à produire, non? Mais quand son groupe policier qui font massacre sur volant ça et tout, et puis l'organisation doit assumer qui existe pour le produire rapport. Mais policier salope tout. Si vous n'êtes pas de salope, vous avez glissé son bagage tout, vous n'êtes pas de criminel ça. Et qui est le comment il est responsable doit assumer ça? Ah, vous fou même. Vous payez les gens sales. Même si nous parlons de présence, c'est la République des mouns sales. La République des mouns sales. On nous dit comme ça. Port-au-Prince, c'est la République des criminels assassins, bastions, gangs, repères de bandits, repères des mouns sales. Ou pas tout, depuis que nous avons volé les bagages, nous avons violé les petits mouns en province, quand nous avons caché Port-au-Prince. C'est criminel. Port-au-Prince, pas un côté sous planète, nous n'avons jamais capable de vivre que Port-au-Prince. Parce que c'est là tout le monde sale par elle, c'est là tout le monde sale par elle, amico toléré, c'est là tout le monde sale par elle, politique li yoye, yo toléré là. La fait tout ça, la fait pour fonctionner, j'en la fonctionner là. Faut nous prudent. Ah oui, faut nous prudent. Et bien, je qui est là. Commissaire Muscadin, c'est Mezi Bouda tout bandit. Vous voulez tout le monde clair sous ça dans l'espace commentaire là, en bon créole. Commissaire Muscadin, Jean-Valéry Madil là, c'est Mezi Bouda tout bandit. On gang. Depuis qu'on est que c'est route commissaire Muscadin fait, ou qu'on est que la vie ou fini, ou a suspendu tout le monde. Avec Muscadin, chaque grand bandit qui tout le monde déjà, il peut tout aider. Avec Muscadin, chaque grand bandit qui le croise qui tout le monde déjà, il peut tout aider 4. Avec Muscadin, chaque grand bandit qui fait massacre sur policier, il peut faire massacre encore parce que ou a suspendu exister. Et messieurs, dames, Muscadin tellement montre son espoir. Muscadin sorti dans Nip, man. Bel exercice, nous allons faire avec nous là tout à l'heure, comme ça. Nous avons trois chapitres dans l'émission là. Nous allons parler du dossier qu'on lève cette tête. Nous avons dossier assassinat président Jovenel Moïse et intervention président Jovenel Moïse qui cause nous tout là. Et son bel exercice, pas oublier, dossier assassinat président Jovenel Moïse là, il y a des bagages qui pour sortir dans le jour qui est pour venir là, selon ça que nous avons comme petit ancien. Et surtout, bon côté la justice américaine, il y a des condamnations qui pourraient le faire encore, il y a des gens qui vont le condamner à perpétuité, et il y a un pile témoignage tout, il y a des dossiers qui nous doivent gagner, et que automatiquement nous finissons rassurés, que nous avons tout le bagage dans nous. Naturellement, vous mettez connaître que vous avez tout détail dans nous. Jacques a toujours fait le pour parce que vous connaissez que c'est toujours un plaisir, naturellement, pour que nous portions détails pour vous dans tout ça que nous allons chercher pour vous comme information. Et puis nous jouons, nous allons faire le bon nom. Et pour nous allons chercher, faut nous porter le bas. Est-ce que nous là avec moi? Et on avance. Et bien, m'a dit nous que commissaire Muscadin apprenne que monsieur yo attaqué commissaire agressé et bien, yo gen commissaire en possession yo. Muscadin frappé tête li. Monsieur nervé. Monsieur parle avec l'équipe, monsieur dit, soit n'est-ce pas capable de progresser vers les organes. Et c'est vérité, oui. Information, c'est ça, oui. Monsieur qui te font, fait analyse là. Si n'est-ce pas progressé, il a progressé vers les organes de les organes. Il a progressé pour arriver vers Gringoive de Gringoive. Il a progressé pour arriver à Tigouave. Et depuis qu'il arrive à Tigouave, gang a venu rétabli dans Chalon encore. Et puis, monsieur a des jeunes informations. Hein? Réflexe. Alors, analyse que monsieur fait rapide sous. Et alors, itinéraire que gang n'en prend, ou bien ça le tracé dans tête li même ni voyant, c'est exactement l'information, je conseille l'information, et c'est comme ça que je ni tout. Tout le monde qui dit ça, c'est l'idée, c'est Nenel Kassi, leader politique criminel, assassin SDP, fantôme 69. Et c'est un pile soldat, qui a des quantités de jeunes garçons qui prennent direction Gressier, c'est un pile jeune garçon. Et ils ont voyé renfort by Boudba, s'il a pris voyé renfort, comment le Kilik Bougran a vu voyé renfort. Tout nèg matisse envoie un renfort by Boudba pour aller prendre commissariat Gressier. Pour aller prendre commissariat Gressier. C'est progresser à progresser vers les organes pour être capable de contrôler toute zone bol en mer net de village des dieux pour contrôler aller les organes net pour contrôler la mer net jusqu'à ce que pour arriver dans Nip. Et c'est ça l'idée. Et bien Muscadin dit que naturellement faut nous cueillir. Nèg ça depuis la route.
Muscadet dit pap qui t'est arrivé, bombe qui t'a prendre depuis la route. Muscadet monte équipe li, policier SDP Jinanip, rap passer pour policier Tigouave, Grand Gouave, tomber les organes, ramasser Bessap, il me dit bravo avec agent Bessap, monsieur. Il me dit alors m'a profité dit non, faut nous battre un bel bravo, un gros bravo naturellement pour agent Bessap. Et bat bravo pour Bessap parce que monsieur montrer que vous capable et vous gain volonté. Monsieur, vous mettez pied à terre avec le commissaire Muscadet. Et m'a dit, Muscadet, bravo tout. Parce que vous reconnaissez et que Bessap sont force qui capable de collaborer dans le pays en sécurité. Bravo avec le commissaire Muscadet. Parce que c'est très intéressant. Hein? Vous comprenez? Parce que pas oublier, mariage Bessap, police, population, paquet de Miragouane, pas de menti, c'est le résultat total et pour le Grand Sud. Et m'espérer que la collaboration ça l'irrité pour qu'il soit capable de contrôler tout le Grand Sud. Là. Et me souhaiter que pour les organes. Suspendre quitter des petits oiseaux à Jean Muscadet. Prends au depuis en route, fan au depuis en l'air. Mais espère que Bessap bien armé li pour commencer mener des opérations pour la frapper des bandits, pour pas même get arriver à Jean Muscadet même parce que des nègres. C'est là capable sorti Matissan et Port-au-Prince pour lui rentrer dans le sud. Ça veut dire que nous même nous qu'on travaille nous pas fait. Pour qui ça c'est Muscadet get dans jeune ni? Non. Ouais Muscadet côté li elle va la souhaiter jeune même non. Nous va la souhaiter quitter Muscadet jeune petit bandit. Il va se jeune livré, mais nous quittons Muscadet jeune. Ça veut dire que nous montrons que nous sommes en son passoir. Et c'est ça qui est comme vérité, oui. Le souvenir est capable de prendre le commissaire agressé. Ça montre que les policiers ont été connectés à Grissier longtemps. Que nous avons checké toujours sous main. Ils ne parlent pas encore. Ils parlent encore. Et avec facilité, ils sont rentrés dans le commissaire agressé. Ils boulent les machines, ils boulent les commissaires. C'est respectant, hein. Respectant, monsieur. Ils prennent le commissaire Matisse. Ils prennent tout petit poste qui te gagne. Je prends tout côté net, mais quand il y a arrivé Grissier, oh! Non, mon cher, faut que tu mettes ton frein. Faut que tu mettes qui mette dans l'exayo pour que nous gérions le problème. Et ce n'est pas possible. Faut nous freiner ça le plus vite que possible. Valérie Neumann, finance ma velle. On ne va pas dire que Américain, c'est clair, implique nos quantités de assauts, yon même tout qui fait contre un ensemble de peuple. Et bien, c'est même genre tout. C'est même gens tout. Il y a des bagailles qui cap arrivé. Il y a des bagailles si yo t'est arrivé. Et mais pas un monde qui t'a dit pas diable tout non. Exemple Bush fait guerre Irak là. Malgré Nations Unies opposé à guerre. Et ben les États-Unis mettaient veto. Il fait guerre quand même. Et qui a été injuste. Parce que ça a été reproché Saddam Hussein dans la guerre de destruction massive. Il a été dit Saddam gagne, il n'a pas de gagne. Ça veut dire que il a détruit le pays pour grand Messi. Deuxièmement, malheureusement, il a pris monsieur et il a pris à travers justice par que il a dit, il a fait, etc. Justement, et parti ça, et ça son l'autre bagage. Mais maintenant, ça qui est important pour nous, c'est que, et selon ça que nous avons, comme si l'on sait information, et bataille que le commissaire Muscadet fait, sorti avant, il est arrivé hier, côté que M. Soti vient pour te renforcer les policiers Léogan pour arriver et des policiers grisés pour récupérer le commissariat, bien que. Pour qu'on ait une disposition qui prend pour qu'elle répare le commissariat, faut qu'on répare le commissariat, mette les policiers et comme si on a dit, dans condition pour le travail et pour les bandits, pour les gens normalement qui ont activité dans le monde, pour les bandits, tant qu'ils viennent attaquer encore pour gérer le problème, non? Vous comprenez? Et ça n'a pas fait Pierre Espérance bien. Selon ça que je gagne comme information, eh bien, nous connaissons que Pierre Espérance a un rapport qu'il a produit, ça fait longtemps, mais il n'est pas capable de mettre le dehors. Rapport ça a gagné pour le jeune Madame Binian dans le pays d'Haïti. Et en plus de ça, rapport ça gagne pour aller dans l'ONU. Pierre Espérance gagne comme mission pour que monsieur fait Muscadet même salle te fait barbecue mais qui est impossible. Qui quasiment impossible. D'accord? Qui quasiment impossible. Et faut que nous clair sur ça. Mais à partir de là toute tentative là et nous pas qu'à quitter le fait. Il faut que nous cueilli et dossier ça sous pied. Parce que dossier Pierre Espérance là, si nous jouons avec elle, ça fait trop bagarre dans pays là. C'est Pierre Espérance oui. Qui produit le premier rapport sur Jovenel Moïse. Et ce rapport, ça, oui, qu'elle fait un mandat d'arrêt contre le président de la République, là, oui. Et ce mandat, ça, qu'elle assassine le président, oui. C'est mandat, ça, qu'elle fait première tentative d'assassinat sur le président pays, qui est le président Jovenel Moïse.
Et c'est Mandasa qui a assassiné le président le 6 pour 7 juillet 2021. Pierre Espérance, c'est dans le pays, oui. Et c'est Pierre Espérance, oui, qui dit mais qui est promette dans le rapport d'enquête sur l'assassinat président, oui. Il fait mettre madame dans la tête de liste, oui. Il faut que vous éliminez madame, oui. Politiquement, vous avez besoin d'éliminer parce que madame n'a pas gagné l'élection, oui. Ou qu'à comprendre ça, ça veut dire, ça que Pierre Espérance, il y a un illettré, il y a un bête sauvage, il y a un ancien voleur bœuf. Il y a un gang. Faut que nous prenions disposition. Nous ne pas quitter le continuer. Absia. Pour les amis, franchement, faut que nous fassions bagaille. Il n'est pas possible, non? Pour nous quitter le ministère, continuer, non? Faut que nous créions tout moyen pour nous mettre au frais dans l'action Pierre Espérance. Faut que nous créions tout moyen, tout bagaillette pour nous mettre au frais dans l'action Pierre Espérance. Et c'est si nous devons faire le plus vite que possible. Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Faut que nous fassions tout moyen qu'il est capable pour nous mettre au frais dans l'action Pierre Espérance. Parce que si nous tout traitons nous concernant garder monsieur, nous juste dénoncer et puis comme si nous avons concrètement pas de bagarre qu'elle poser comme question. Ou du moins physiquement, pas de monde qu'elle côté pour parler avec pour Marie-Li, foutre coup de rigoise. L'a continuer. Muscadet c'est pour nous l'a travail. Il prend des risques. Il sorti côté sorti c'est parce qu'il connaît que Grand Sud n'a pas capéri. Tout le monde dans Grand Sud doit lever. Parlons seule parole. Il va tolérer ça continuer. Nous c'est bien expérience ça. Il n'est pas possible, non? Il faut que nous mettons frein. Lance ça définitivement en de pays. Voilà. Commissaire Gressier, nous avons demandé pour que tout le monde, Léogane Gressier, leve campé pour que les gens qui sont responsables pour voir l'argent pour clean commissariat, pour voir l'argent pour réparer le commissariat Gressier, pour que les policiers capables de joindre et meilleures conditions pour fonctionner dans le commissariat. Pardon, il faut que les fait. Et le commissariat doit réparer et répéter le plus vite possible. Remettez le bureau en dedans. Et puis, il faut que les policiers montent, créent des stratégies. Et pas comme si non, commissariat non. Il faut que nous mettions des bases. 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres à commissariat pour les policiers ou dehors commissariat. Nous ne pouvons pas commencer. Attendez, il faut que nous commencions. Il faut nous prévoyons, man. Et pas d'espace commissariat pour nous occuper. Si bandi yo attaqué pour arriver dans le commissariat, c'est parce que pas de gon avant poste. Pas de gon avant poste qui te gagne policier pour policier qui t'en résisté pour n'être capable pas d'arriver. Sinon, c'est sur route là, n'est-ce sorti pour descendre. Al mette des avant base. Créer des stratégies. Même j'en bandi yo capable rentrer dans kaye, percer kaye, pour rentrer dans kaye, pour arriver sous nous même kou nous créer stratégie tout. Pour nous faire. Le bandi a vini. Pour nous garder des stratégies pour nous entrer dans la caille, pour nous faire une tête au grain par grain. Parce que je regarde quand monsieur a passé en bas au monde, il a couru, il a entendu des muscadets presque arriver. Si vous avez une stratégie pour les policiers qui ont bataillé, nous avons pris un drone, nous avons pris un côté, et puis nous avons pris un temps quelque part. Le a venu, parce que je regarde, il n'y a pas une cinquantaine. Imaginez, on a 5 policiers avec 5 chargeurs et 32-32. Vous comprenez ça, et puis les policiers ont placé au côté. Le temps monsieur non axe même côté après ben tout et puis nous descendons 50 là 50 petits bandits nous prend yo nous descendons yo et puis automatiquement elle prend gasoline caoutchouc nous met sur yo et puis ça déjà tout allumette nous bouler tout tir avec yo nous fin avec yo gang bout de bat tout kabari nous pas d'accord avec gang bout de bat tout fini gang bout de bat tout fini est-ce que nous là gang bout de bat tout fini. Nous avons tout éliminé le net, nous n'avons pas de gang encore. Mais c'est nous pour faire, c'est nous lâche, c'est nous peur. Qu'est-ce que nous avons fait? Policier, peur, Pierre Espérance. Sous qui base? Ou Pierre Espérance? Qui s'allie? Qui s'allie? Qui s'allie le pays? Ou Pelle là? S'allie autorité lié, chef lié? Chef ou lié ou Pelle là? Attention, policier, levez tête, nous gardez tête dans nos miroirs et suspend, dit Madiga, Mbappéo. Suspend et peur Madiga, ou du moins campé devant, dit Madiga, Mbappéo. Attention. Et c'est comme ça pour nous faire. Et gardez tête nos miroirs, arrangez-nous pour nous gérer ça comme problème. N'a pas avancé. J'aime te toujours dire, bataille pays pas contre facile. Mais c'est monde qui a un cœur, c'est monde qui a un âme qui mène qualité bataille ça yo. Et depuis semaine qui s'est passée, alors depuis avant hier tout, il y a un peu d'amis qui voyaient de petites vidéos pour moi. Ce côté que vous montrez. Policier qui est dans le commissariat et Jérémy, direction départementale Jérémy, Gredens alors,
policier au levé campé. Yo levé campé contre action directeur départemental que soit il y a sept placé dans département policier levé contre lui. Monsieur son volo, monsieur volo contre Nelvan. Monsieur créé une cellule pour que légaliser zam illégal pour bandits criminels sans foi ni loi combien comme 50 000 goud. Tendez bien oui. Tout le monde connaît ces CDCPJ qui légalise zam dans pays là. Mais gon directeur départemental police qui dit depuis ces volo gon zam vini, m'a pas réussi pour ou. Dans direction départemental là. Pour 50 000 goud. 50 000 goud. Et ben gon vin fait que gon paquet de jeunes garçons que soit il y a cette ba zam, monsieur dit qu'il ba yo fever pour marcher avec zam yo. Librement dans la ville là. Ça, monsieur, tout profite fait. Zam, monsieur, te volé au Port-au-Prince dans mes bandits. Li rentre dans le département avec eux, li commence à vendre jeunes garçons dans le département Zam. Matériel qui vient pour la police dans le département, monsieur, vendre yo avec des nègres qui ont des amis illégaux dans le yo. Policiers, ouais, tout ça. Mais finalement, alors moi-même, te blâme les policiers tout parce que, pas oublier, le moment que tu as une grosse manifestation, la grande pays, tu as même policier ça yo, a fait répression sur le peuple là. Vide Gaza comme jeune sur le monde. Les bandits. Directeur départemental, ça te qu'on a fusé mon nan manifestation policière pas de jambe te levé. Pour que ça se kounya na propose levé. Bah, j'aime faire nos confiance. Pour me dire qu'on a fond bagay, c'était Marie directeur. Marie de bras derrière. Et puis, commence à courir avec le bout de moto dans la capitale là. Ou bien, on commence à prendre une foutue coup de grigoise. Et ça qui tape important pour moi, oui. On a commencé à voir que n'a fond bataille et définitif. Bah, ça une belle bataille, une bataille qui est propre. D'après, on a fait et on a compris la réalité. D'accord? Et c'est ça qui est important. Mais si moi que c'est nous là blablabla bla, bla, n'a fait petit mouvement pour qu'on gagne mouvement. Moi ouais et naturellement dans département nord tout moi des policiers qui levé. Yo levé côté qui a parlé de des monde qui dans appareil judiciaire en cap fait et des mouvements grain 5 vol. OK? Des mouvements vol qu'a réglé. Et me dit policier yo fait mouvement nous solide nous gè droit pour nous faire pour nous demander meilleures conditions de travail si nous estimer gè des volants qui n'a pas judiciaire en cap faire mon habit ou gè droit pour nous camper pour nous défendre ça parce que son haïtien koyé pas quitter n'importe bagaille passer pas toler n'importe bagaille et m'a demandé nous si nous pense si nous gon travail que n'avi fait qui propre qui bon. Nous mettons connaît que n'a besoin de support média en ligne là. Et depuis c'est nous moi-même qui dit nous spécialement n'a besoin de support média en ligne là, n'a besoin ni parce que moi les nous camp ensemble avec des monde qui dans société à nous camper n'a bataille, n'a supporté jusqu'à kaba. Et c'est comme ça le doit fait. Son bataille propre lié, son bataille pays qui lié, nous doit faire par tous les moyens. Et commandant Guy Philippe t'es sorti et dernièrement côté que li fait des bagages extraordinaires. Il fait des déclarations. Nous te permettons autant de yo. Avant hier, en pile dans nous, te apprécié. Intervention, général Guy Philippe. Mais maintenant, ça qui est important pour nous, c'est que c'est Edo qu'on est qui stratégique qu'on développe, qu'on doit développer pour mener une bataille pour le moment. Et il y a des journalistes qui posaient comme Guy Philippe question sous rentrée force militaire qui a rentré dans le pays. Et qui déjà là. Guy Philippe clair sur ça, même j'en te dis nous. Définitivement, force multinationale ça l'a rentré. L'a dans le pays. Elle déjà dans le pays. Américain déjà mette dans le pays. Mais c'est qu'on est qui ça peut le fait. Parce que si on base militaire qui a pris. Implanté dans le pays, nous, c'est Américain qui a mis. Et c'est là qu'on peut poser des questions. Si force la vie, naturellement, la besoin base, c'est clair. Mais maintenant, tout ça qu'on a fait là, moi, c'est l'autorité américaine qui a fait. Est-ce que vous comprenez? Guy Philippe répond pour dire que peut-être policier gang qui a payé de tirer moun yo, le force multinationale ça là, la impossible pour payer de fuser moun. Et c'est déclaration commandant Guy Philippe, je pense ça tout. Et je pense que c'est impossible tout pour policiers qui toujours fait repression sur le peuple, la vie de balle sur le peuple, pour le peuple, pas manifester. Et Guy Philippe a le plus loin.
Quand il s'est dit bagarre intelligent, il s'est dit que et peuple a plus facilité pour prendre la rue. Dans mon esprit de 3 mois, on a capable de déraciner pour voir gang ça qui là. Il me dit non son pouvoir qui et va contester le contestant encore non. Son pouvoir qui bagarre crasse légitimité du tout. Et puis pendant ce temps, toute crème politique paysan, même du crème politique paysan, tout baron, tout oligarque corrompu, tout voleur politique, tout vicieux politique, tout gang politique, tout kidnapper politique, tout drogue dealer politique, yo tout dans un seul bagay qui est le système ça, qui est le gouvernement ça. Est-ce que nous là? Yo tout dans un seul bagay là. Dans le gouvernement ça. À tout ça, yo pas qu'à mettre 3 moun dehors pour battre bravo pour yo. De fait, tout pour nous que avec M. Sayo, Haïti pas besoin de stabilité. Haïti pa janm gen la paix. Ou ap vini ou ap traquer gang pour yo, pa gen problème. Gang yo dwe mouri, et ben gang yo ap mouri, le sa peuple ap gen facilité pour prendre la rue, pour al manger nèg sa yo. Pa kon se comprenn. Oui, force pa gen problème. Vin touye gang yo, touye parce que gang nan fait peuple ap ka prendre la rue. Police fait peuple ap ka prendre la rue. Et ben le, nous vin avec pile américain, pile blanc c'est si blanc c'est là, mettez sous béton. Le sa police pas capable de tirer sur peuple. Peuple a gagné pour devoir prendre la rue à déchouquer 9 volants, 9 terroristes, 9 kidnappers. Et bien, tu as la pipe propre. Guy Philippe là intelligent. Moi, même, monsieur en pile. Monsieur Smatamor, il me dit bravo, commandant Guy Philippe. Ça l'a fait propre. L'a fait bien. Il me bien content. Ou prend recul ou pas rentrer dans la bagaille ça. Et quitter monsieur, rentrer dans ça, rentrer là. Et puis, nous-mêmes, nous avons une réponse là. Nan niveau ki dwe bayol, le pou n bayol la, nan kondisyon dwe bayol la. Et commandant Guy Philippe parle de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Qui sont dossier brûlant, qui sont dossier bay ka sauté avec tout assassin Jovenel Moïse yo. OK? Et qui bay ka sauté avec tout assassin Jovenel Moïse yo. Eh bien, commandant Guy Philippe exige pour que lumière faite dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Président du Conseil national des marchés. Intervention ça va être sauté. Mesdames, messieurs, les représentants d'organisations okay. internationales. Intervention ça va être sauté. La police nationale d'Haïti. Là Guy Philippe déclarait que les représentants d'organisations de la société civile. Il pas possible. Mesdames, messieurs, les panélistes. Pour un groupe de nègres. Mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. Rentrer la caille au président de la République. Pour humilier le masque, le crabe, dans conditions pareilles. Et puis, il n'y a personne qui est capable de poser une question. Constitution. Comment Guy Philippe estime que ça n'est pas possible? Elle dit clairement, tout assassin Jovenel Moïse, c'est eux qui prend pouvoir depuis 20 juillet 2021. C'est eux qui fait 33 mois au pouvoir et c'est eux encore qui décide de prendre pouvoir à travers le 9-7 tête ça. 9-7 ta. 9-7 là. Yes, wow, le ciel, oh, papa. Gardez pays, moi, papa, gardez ta pays. Mais ta pays, le ciel. Moun qui pis sale yo, moun qui pis sans honte yo, moun qui pis méchant yo, et bien c'est eux même qui toujours voulait pour prendre tête l'état pays. Pour faire qui ça? Pour al souce. Al souce. On l'état. Al souce peuple là. Pour fini. Avec population. Moi même dis ça va ka continuer. Il me dit, oh et fort. Ça li va ka continuer. Il faut que nous créions tout moyen pour que ça va continuer. J'aime toujours dire, bataille pays pas contre facile, mais c'est monde qui gagne cœur qui toujours engagé dans véritable combat ça. Et président Jovenel Moïse t'a fait un pile effort. Dans deux dernières années, puis dans trois dernières années, justement, en tant que l'autorité pour le défaut pouvoir, le président Jovenel Moïse a une volonté réelle pour te sauver Pepsa,
pour te mener, pour te faire bagarre pour peuple là, pour te faire bagarre pour pays. Mais c'est raison ça qui cause n'est arrivé assassiner président ça dans condition où assassiner là. Jodien qui c'est 14 mai 2024 là. J'aime toujours faire nous pral faire exercice qui propre là. Exercice qui senti bon. Exercice que nous toujours aimer. Aller côté il te commencé à pour arriver là. Même j'en dis ou pour nous joindre attaque ça qui fait dans commissaire agressia c'est Nenel Kassi qui cause li fait. Li commencé côté il commencé à li ba nous gang ça dans Mariani, de Mariani gang dans vienne pour grosse qu'il prend Melmenel Gressier pour le craser commissaire agressé. Bon côté il commencé. Et tout autant que nous pas le courage pour nous dire bagarre l'agent lié. Pour nous attaquer moun pour nous attaquer. Nous pas jambe une solution avec problème cap fin avec nous dans société. Et si ça me toujours dit non. Faut camper. Pour nous goumen. Kot moun sa yo qui pa vle wè nou an dans pays ya. Monsieur, vous ne respectez pas les gens. Monsieur, vous êtes méchant. Monsieur, vous êtes criminel, en pile. Et vous êtes campé gourmet. Vous êtes gourmet jusqu'à ce rabat. Vous êtes gourmet pour nous permettre que le pays sorte dans sa quelle nouvelle là. Et nous trouvons un meilleur moment pour que nous gourmet. Parce que définitivement, tout volet, tout assassin, tout criminel, vous mettez tout ensemble dans un seul clan. Pour que vous détruisez nous dans le niveau de tout nous. Dans le moment où vous parlez là, vous lèvez cette tête là, vous faites première acquisition de machines. Combien de machines vous achetez? Selon toute dernière information que nous gagnons, selon toute dernière information que nous gagnons, vous lèvez cette tête là déjà acheté 27 machines, première acquisition. Payim, attendez, oui! 27 machines qui t'a acheté. 9 blindés à $240,000 américains. On nous fait 9 multiplié par $240,000 américains. Première acquisition. 9 multiplié par $240,000 américains. Mettez-le. 9 multiplié par 240 000. Première acquisition matérielle, coulève 9 têtes là. Première acquisition yo, premier matériel que yo acheté, li coûte l'état ici. Entendez bien oui? Premier 9 machines que yo acheté ya. Premier 9 machines. Pourquoi aller dans l'autre là non? Premier 9 machines li coûte l'état ici 2 160 000 dollars américains pour 9 machines. Président Jovenel Moïse, m'ap chambli yo garçon. Parce que ou ba une possibilité pour nous questionner voler, pour nous chercher dossier, ou ba nous faciliter pour nous rentrer dans l'État, pour nous joindre l'ossier. 9 machines blindées. Pour 2 160 000 dollars américains. Gagné 27 machines qui acheté. Eh bien, ça qui vient de moi, je te pensais que 9 l'an dans 27 là, 9 l'an pas dans 27 là. 9 l'an, il n'y a pas. 27 l'autre machine, il n'y a pas. 27 l'autre machine, il y a dans pile là-dedans qui va le bende. Mais pour le moment, prix que vous achetez chaque grande machine, yo, c'est à $86,000 américains que Prado a acheté. En avance. Première acquisition, équipe. Qui n'a tête payé. Équipe sa yo qui prend par la nationale d'Assoa. Qui pas même kal nan parle même. En avance. 2 160 000 dollars américains plus. C'est bien oui? 27 multiplié par 86 000. On va prendre la baou. 27 multiplié par 86 000 dollars américains. La compren calcul ça. Mais combien de machines que vous avez acheté, premier achat
que l'État haïtien, qui n'a fait l'État haïtien, premier dépense que l'État haïtien fait, c'est 4 482 000 dollars américains pour machine seulement. Hey, toujours dit, joue peuple sa casse chaîne. S'il pas tourne yon tigre, la tourne yon lion. Mais tout autant n'a bal mise, n'a fait le plus fort. N'a fait qu'on ait plus expérience dans vili. Mais c'est pas faute nous. Nous pas le monde entre tous mes yeux. Ouais, si m'de kon chante, m'dap chante. M'dap son sang bam d'ap yewi. M'dap prend place à zor. On me. Jou pep sa kase chen papa. S'il pas tourne yon tigre, la tourne yon lion. Mais tout autant n'a bal mise, n'a fait le plus fort. N'a fait qu'on ait plus expérience dans vili, mais c'est pas faute nous. Nous prenons le monde très tôt, messieurs. Chien crelé pitbull là, c'est lui-même qui nous veille. Aïe, aïe, aïe! On t'a chanté, oui. Nèk sa yo, seul moyen pour la paix, stabilité dans le pays d'Haïti, ou doit éradiquer total capital la classe politique traditionnelle haïtienne. Seul moyen pour Haïti ralon souffle. Pour petit pays capable de vivre dans le pays, ou doit éradiquer la classe politique traditionnelle haïtienne, définitivement, avec tout ça qu'il supporte. Parce que premier cancer, véritable obstacle pour la jeunesse haïtienne, c'est classe politique pour y sentir ça. Et si nous pas dégapio, année ça même, en vérité, mon Dieu, le pays a fout disparaître. Parce que vous pas moun. Mais c'est un méchant avec un pays, messieurs. Tout nèg sa se bien vin voler, prend avantage seulement dans de un peuple qui a péri. Ça va dire ni chaud ni fret, moun ap moun au pays, ça va problème yo parce que yo fait l'argent dans l'instabilité. Monsieur, c'est grave vous mettre là. Oligarque la bataille pour le gain douane nan. Pour le gain douane ni la main, pour continuer rentrer marchandises pour le pas payer taxes. Et puis pour le peser malheureux et malheureux qui dans la diaspora qui peut rentrer au contenant cap haïtien pour le pas de douane. C'est malheureux et malheureux qui doit payer taxes pour lui comme oligarque compi qui vend tout le cahier dans le pays pendant que malheureux et malheureux n'a pas même rentrer avec produit pour le vendre dans le pays. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour des politiques campés en face au peuple qui veut faire business, qui ne peut pas faire business, mais qui mettait tout le bagage au service des oligarques compi? Nous devons faire ça en deux. Et c'est ça notre bataille pour lui. Nous ne pouvons jamais remettre moi-même Beto. Parce que nous ne pouvons jamais tolérer nous tout. Nous ne pouvons jamais nous savoir nous. D'ailleurs, Koko a tout. C'est grave qu'il y a nous tout. On va nous mettre du lin. Et Koko a senti vicieux en bas qu'on a demandé nous l'argent. Moi, nous foutons qu'à fonctionner. Bonne salope sale côté nous. Nous ne pouvons jamais dans la dimension pour que nous demandions une cob. D'ailleurs, cob qui nous met une cob volée qui est liée. Moi, comme je mange cob volée, non mais volée. Moi, comme je mange cob kidnappé, non mais kidnappé. Never. Un politicien du Albor qui est vicieux, un volé. Nous méchants. Nous méchants pile. Nous finissons avec un pays. Tout le monde qui a essayé de faire business dans le pays, tout Haïtien est capable d'organiser, faire business, rentrer dans le pays, faire business. Mais son seul nèg, son seul groupe moun, que politicien placé là pour le défendre, c'est oligarque compris. Nous ben nèg douane pays, nous ben DGI pays, ministre finance pays, banque centrale pays, BNC pays, ou l'ONA pays, nous ben tout avec des oligarques compris qui pillent le peuple, qui vendent âme pour tout le peuple là, nous foutons tous les nèg dans le pays. Seul nèg qui pour nous vivre en paix. Pour créer stabilité, il faut nous éliminer les politiciens. Et ça, pour nous faire. Nous méchants trop. Et c'est grave. Nous criminels avec un peuple. C'est comme toujours dit. Jou peuple, ça casse chaîne. S'il pas tourner en tigre, l'a tourner en lion. Tout autant que nous avons balmisé. N'a fait crime sous lit. C'est expérience. N'a fait le fait. Et tôt ou tard, la fin nous en deux. Peuple ça, qui n'a tout pisé, n'a pas maltraité, n'a pas torturé, n'a pas vili, n'a pas fini avec là. Tôt ou tard, peuple ça, il pour défendre tête li. Parce que c'est pas logique. Nous allons quitter ça, continuer. Un pays pas fonctionner comme ça, monsieur. C'est même voleur, c'est même criminel. Jovenel Babjan Bléo. Il n'est pas possible. Nous allons quitter un pays. A disparaître comme ça, c'est des volets dans la politique. Qui finit avec une société dans des conditions pareilles. Haïtien Calaisien. Les gens méchants trop. Les gens trop criminels.
nèg trop cruel. Faut que nous fassions bagarre avec nèg ça yo. Jovenel Moïse, nous va jamblier au garçon. Nèg trop méchant. Il va possible. C'est pas un rêve là. Partagez mission pour nous papa ici, s'il vous plaît. Même si nous pas ouais. Bon méchant. Na wè la li, fere, na wè étoile, file, on souhaite, pour la taille changer. Ça fait mal, de m'encadre, pays, en état, ça, oui, fait mal, parce qu'elle pas blé, finir. Si nous fait l'union, na wè soleil, levé, na wè la li. Fait mouvement politique criminel, nous assassinons le président de nos pays et puis nous étions à vivre comme politiciens. Il n'est pas possible. Tolérance, faut que tolérance, il faut que finisse dans le pays. Mon équipe n'est fait paraître premier cobio fait l'état haïtien dépenser 4 millions 482 000 dollars américains pour machine seulement. Un peuple, un grand goût, misère, tu un peuple, oligarque, compi a fait l'argent. Il va foutre possible. Depuis le pas Toyota, yo pa ka, comme si l'État, depuis que Toyota pas fait comme pal là, peuple a mettre mouille grand goût. On pense au pays qui a fonctionné comme ça, son seul bon chaud diaboui, faut que nous foutons faire chaud diaboui de bon. Ou bien faut nous faire le pouille dans bon peuple là, définitivement. Pour le président vient la défendre peuple, nous venons nous tuer, nous pas capable de quitter le continuer. Et faut que peuple prenne toute disposition qui s'impose pour nous éradiquer la classe politique traditionnelle haïtienne qui mettait l'État paysan au service des oligarques corrompus. Nous foutons éliminer l'extérieur de pays. Nous tuons le président Jovenel Moïse trop mal. Nous méchants trop criminels. Faut ça, Abraham 17 à ces messieurs. Nous pas qu'à quitter le continuer. Trop monde mourir, trop sans couler. Nous baissons les âmes pour tout le monde. Nous vendons drogue, nous faisons kidnapping. Nous finissons avec une société. Et puis, parce que faut que le monde campe à garder nous. Ça, faut qu'il suspende. Et j'en ai un peu toujours dit, faut qu'il caba. Et tout autant qu'un gamico, on a parlé et on a gamico, nous pas qu'à quitter le continuer, on a bataille contre ça. Ça, Jovenel Moïse fait nous tourner dans conditions pareilles, nous méchants trop. Chaque monde qui vient pour son bagage pour peuple ça, chaque monde qui parle pour peuple là, nous tourner Maître Doval. Oh, monsieur! Maître Doval parler de changement de constitution pour que le pays ne pas jamais des problèmes politiques encore à travers le premier ministre qui a croqué depuis en l'air, vagabond qui a baillé le premier ministre, ce président pas mon courant, vagabond en politique qui a fait marchandage politique, nous avons changé la constitution. Nous assassiner Maître Doval. Oh, monsieur! Et puis nous pensons, l'illogique pour le peuple à camper, pour l'abgarder nous, non, le peuple a continué. Premier, l'argent que l'équipe oligarque corrompue a décidé pour faire avec l'État, c'est 4 482 000 dollars américains pour acheter Toyota seulement. Ah, papa! Vous avez compris ça, ça veut dire? Vous avez acheté machine pour petit bout, vous avez acheté machine pour chef cabinet, machine pas ci pas là, l'État haïtien, monsieur! On peut pas grand gros, on peut pas mourir avec insécurité, on peut pas disparaître, on ne peut pas vivre dans le pays, mais comme un cob, on sait des volets cachés dans le téléphone pour prendre l'état pays ou pour aller piller. Il faut nous foutre dégâts et mal propre dans le pays. Même si nous, peuple, la fonde filer manchette, nous sommes non exaïos pour nous éradiquer dans le pays. Parce que y'a plus gang que ils ont, y'a plus méchant que l'homme sans jour. Y'a plus cruel que vite l'homme innocent ici. Gang sale. Politiciens font seul avec oligarques pour trouver le président. Politiciens font seul avec oligarques pour détruire le pays d'Haïti. Faut nous foutre détruire les politiciens haïtiens. Parce que si oligarque n'a pas jeune politicien haïtien pour le foutre, ça va mettre pour craser le pays, il n'est pas capable de faire ça l'affaire. Le premier problème dans ces rôles, c'est politiciens.
premier ça pour nous éradiquer total capital et les politiciens haïtiens. Pas n'importe qui moyen traquer yo, dans n'importe dimension traquer yo. Pas jouer avec politiciens. Tout ça peuple a fait, tout ça qu'a bon pour peuple a nous fout craser au profit des oligarques corrompus. Politiciens c'est où le problème non, n'a fout éliminer. Nous méchants avec un peuple qui est en souffrance. Si nous parlons de l'école, nous payons ça, nous ne sommes pas là. Comme politiciens, nous ne sommes pas là. Bon criminel. Nous faisons toute qualité de crime dans nos sociétés. Nous faisons toute qualité de bagaille. Nous sortons dans la matrice peuple là. C'est nous qui avons détruit le peuple là. Nous ne sommes pas là comme politiciens. Premier problème, non? Premier cancer, douleur, calamité. Ma suffit pas de que le peuple a monté. Mais justement, c'est politiciens. De fait, la seule solution, c'est l'éradication totale capitale de la classe politique régionale haïtienne. Tout autant que nous voulons, ou est nécessité pour nous éradiquer politiciens, en vérité, pour nous pas une solution, ou pas jamais une solution avec cette gueule-là. C'est pas qui grave qui a passé là, oui? C'est pas qui grave qui a passé là? Des gens qui ont fait politique dans le pays, décident de tuer petit pays pour faire plaisir avec des oligarques corrompus pour faire business dans le pays. Des gens qui ont fait politique dans le pays. Rentrer dans le complot pour assassiner nos présidents parce que le président a coupé le contrat pour des oligarques corrompus. Est-ce que c'est normal, messieurs, dames? Oh, monsieur, n'est-ce pas, vous n'êtes pas là. Il faut que nous créions toutes conditions pour que vous suspendez là. Parce que vous êtes trop méchants, vous êtes trop cruels, vous êtes trop assassins, vous êtes trop gang. Et bataille ça, moi dis nous, je vais faire le jouk sa kaba parce que, monsieur, vous êtes trop méchants. Je vais vous montrer nos grandes bagailles. Est-ce qu'un politicien est obligé, ok, assassiner un chef d'État pour ça? Parce que le président a décidé, ok? Parce que le président a décidé pour que naturellement, il coupe des contrats et pour des oligarques corrompus, par exemple les VOB, contrat Blackout. Ok? Président Jovenel Moïse, justement, a décidé pour le couper contrat parce que, central là pour l'État, l'État a dépassé comme là, il n'y a pas de service là, l'État a décidé pour le prendre contrôle toute situation. Oh oh, papa, non, il a décidé. Il a trouillé l'État, il a trouillé le président. Et ces politiciens qui commençaient à. C'est central l'État. Peuple a changé, ça me dit. Méni, il faut que nous voyons. Mais pour qui ça, Jovenel Moïse, Dimitri Vob dans tous les jours, Méni. Mais pour qui ça, Dimitri Vob dans tous les jours, Méni. Mais pour qui ça, Dimitri Vob dans tous les pays, et peuple haïtien, Méni. Mais central va, oui, on a regardé là. Parce que l'État ici. Paris, c'est lui-même. Et on va tellement important. Nous sommes tous là, nous quittons le président mourir. C'est qui sécurité qui ça? Mais président Jovenel Moïse là, ok? Et nous allons regarder, président Jovenel Moïse dans Central Varé. Qui est-ce qui tue Jovenel Moïse pour faire Dimitri votre plaisir? Et politiciens qui prennent disposition, oui, pour assassiner le président Jovenel Moïse. Et puis, il y a un peu de copie à tout le président. Mais dans Central Varé. Peuple a changé, ça me dit. Méni. On dit que le tir là c'est pour l'île. Le DG Varé, EDH là, ministère public qui là, directeur général ANACE qui là. Je te dis que automatiquement que l'État haïtien te vient reprendre ça pour vous. Parce que l'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour le président de la République. L'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour vous. Parce que l'usine ça, Central Varé, sont usine que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je ne peux pas mettre papier qui est l'État devant nous, nous usine ça. Du tout. C'est pour ça que nous avons une décision pour que l'usine ça, ça court et retourne vers nous. Je dis, il y a des yeux, et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias, que l'usine est dérapée. Ça veut dire service pour commencer par elle. C'est deux centrales, Varé 1, que nous avons visité, qui a marché, Varé 2, Mental Taiwan en mai 2018. Mais matériel, l'État, oui. Central, ça, c'est pour l'État haïtien. Varé 1, Varé 1, Varé 2, qui était l'État ici était construit central ça. C'est sous régime François Duvalier. Tout bon bagage, tout gros bagage qu'on a dans le pays, il était construit sous François Duvalier. Et c'est là, nous ne pouvons pas jamais quitter parler ça. Depuis que vous parlez ça, tout le monde qui s'est sauté, la tremblade. On nous garde le président Jovenel Moïse, justement qui était dans central Varé. Mais devant central là. Il a visité central Varé 1, il a visité Varé 2.
Centrale ça a été construit en 1979. Deux centrales ont coûté l'État haïtien 120 milliards de goudes. Vous entendez? 120 milliards de goudes. François Duvalier a construit centrale ça pour l'État haïtien. René Préval, caca clairin, vicieux, volé, pas conforme. On prend si vicieux, si volé. Eh bien, il y fatra les vobli rentre dans le complot. Pour le faire comme pal, par en bas, madame a fait 900 000 dollars américains chaque mois dans le contrat. Jocelyne Privé a fait 370 000 dollars américains chaque mois comme comptable en chef dans son génère. Parce que pas oublier ça. Jocelyne Privé était comptable en chef en dedans son génère. Salaire li te plus passé 300 000 dollars américains chaque mois. Vin demantim? Ben touye de président. Ben assassin. Ben gang sale côté nouye. Ok? Et mais justement, Central Varys va regarder là. Pour ne pas capable de gagner Central en possession, yo, et bien même la famille Vob, yo voye font tentative pour bouler, mettre du feu dans Central là. Avant que yo, yo allemand de Préval, contre barre question barre contre courant. Yo rend Central en dysfonctionnel. Et puis après, yo propose Préval question barre contre courant. Yo fait Préval barre Central Varys. Qui pour l'État haïtien. Et puis, yon fait Préval Bayo, fait BNC Bayo yon prêt. Yon prêt qui c'est 30 millions de dollars américains, messieurs, dames. 30 millions de dollars américains. Yon Dimitri Vob qui pas ka manger. Yon koko at senti vicieux, corrompu, nèg sale. Même cheveux li pas ka, je ne sais quand goutte pour le payer, pour le faire. Ti machine qu'elle te gagne, ce matin, qu'on a vendu pour le manger en dirible, pour le manger en spaghetti appetit li, tellement koko at pas de rien. Ça va gagner longtemps. Préval bali contrat. Yo bal 30 millions de dollars américains dans BNC pour la réparer qui central l'État haïtien encore. Monsieur réparer même moteur l'État haïtien yo. Li pas même faire dépenser 10 millions de dollars américains là-dedans, li prend coblan, la investi en Dominicanie dans usine pour produire baleine en Dominicanie avec l'argent l'État haïtien, l'argent BNC. Li pas remettre coblan, les responsables BNC a prendre toucher faut touyer. Yo tuer monsieur. C'est délicat quand on est garçon et vous êtes capable de dossier ça clair. Je tue, monsieur. Central l'État, l'argent l'État, et puis monsieur signe un contrat avec l'État. Pour ben l'État qui ça? Courant dans central l'État. Avec qui gaz? Li prend gaz dans main l'État à crédit. Monsieur, dame! Oh, monsieur! Dis qui est-ce qui a un privilège dans nos pays ça? Yo pa itil paye a rien du tout. T'as des qualités privilèges, mon ek joui nos pays. Et même service là, ou pa gen volonté pour bailler. Ou sont méchants, ou sont corrompus, ou sont gang sale, ou sont terroristes. Yo doit fan ou en deux comme petit volet. Méchant. Oh! Non, mon cher. C'est pas possible ça, messieurs, dames. C'est pas possible. On continue à garder président. Directeur général Anassé qui l'a. Je te dis que automatiquement que l'État haïtien te vient reprendre ça pour vous. Parce que l'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour le président. L'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour vous. Parce que l'usine ça, Central Varoua, sont usine que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je ne peux pas jamais papier qui est l'État devant nous, l'usine ça. Et c'est pour ça que nous avons une décision pour que l'usine ça, ça court. Il retourne pour nous. Je veux dire, nous regardons et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias, que l'usine n'a pas dérapé. Ça veut dire service pour commencer par. Justement. Deux centrales, Varoua 1, que nous avons visité, qui a marché, Varoua 2, moi je suis allé à Taïwan en mai 2018. Moi je suis allé et l'homme est allé, je suis allé pour. Bonjour, monsieur d'autres présidents. Ou tout ça que tu as commencé à marcher là, centrale Varoua, tu as commencé à marcher, tu as recommencé à marcher. Centrale électrique Kafou entrapral balancé tout campé net depuis les autour président. Ça veut dire raison assassinat président, c'est exactement raison ça. Dimitri Vob, nous pas jambli au garçon. Ou la fou. Ou pas sur prendre tenir en silence président assassiné et puis y a qui gen là, ou fou garçon. Président parle tant de garçon. Raison assassinat président c'est ça. Maintenant dans avec président méchant. C'est nam dans la président chambre député. L'État taïwanais prête nous 150 millions. Pour nous te faire à travers le pays, réseau électrique, parce que ça me plaît pour nous comprendre. Ce n'est pas produire l'électricité qui est difficile.
c'est construction réseau. Vous allez dire route côté pour vous, parce que c'est le plus gros pour faire ça. Et là, nous sommes à Taïwan avec vos monsieur, ça veut dire docteur Calix, directeur EDH, ministre de la République. Vous avez expliqué nous qui ça nous besoin pour nous mettre construire réseau électrique dans 51 communes dans le pays qui n'ont pas de réseau électrique. Je voulais parler tant que, par exemple dans le département nord-est de communes Capoti, communes Montorganisé, communes Montbencoche, communes Caris, communes Vallière, communes Perche qui ont un problème réseau. Dans le nord, je voulais parler de communes Dondon, communes Pilap, communes Boy, communes Plaisance, communes Baron, La Victoire Tranquille qui ont un problème réseau. Dans le département l'ouest, nous voulons parler de communes Pointe-à-Raquette, Ansagalais. Nous voulons parler de communes Cognon, de communes Fonverette qui va bien qui réseau. Dans le département nord-ouest, nous voulons parler de communes Île de la Tortue. Nous voulons parler de communes Chansol, communes Bassin Bleu, communes Baie de Haine qui va bien réseau. Voilà. Et... c'était l'apparition du président Jovenel Moïse et dans Centrale Varé 2. Après, elle te saute passé dans Varé 1. Maintenant, on avance pour aller suivre une intervention que le président Jovenel Moïse a fait pour nous. Et c'est vraiment intéressant pour nous vivre ça ensemble avec nous. Tendez-la avec un pile intérêt. Conseil national des manches. Parce que pour nous comprendre, le président a une volonté pour qui ça que les politiciens font dans le pays d'Haïti. Il a parlé, mais ça a parlé sérieux là. Je vais inviter à nous avec un peu d'intérêt. Président Jovenel Moïse, président peuple là, président nation, tôt ou tard, tout haïtien a fini par comprendre que vous avez une volonté réelle pour te faire bagarre pour payer ça. Entendez, président Jovenel Moïse. Monsieur le public, mesdames, messieurs, les représentants d'organisations internationales, messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs les représentants d'organisations de la société civile, mesdames, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, je me réjouis de lancer les travaux de cette cinquième journée de l'économie sous le thème Constitution et élection pour une bonne gouvernance. Ce thème est à la fois déterminant et crucial pour le pays, car le contexte actuel est marqué par un débat constant sur la tenue des élections et les difficultés que pose l'application de la Constitution de 1987. D'ailleurs, pendant toute ma campagne électorale, je disais chaque jour que la stabilité politique est le premier des biens publics. Et il ne peut pas, il ne pourra pas, en aucune façon, avoir de stabilité politique sans de bonnes élections dans le pays. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. La gouvernance économique, qui est en débat ce matin, fait référence au mode de gestion de l'État à travers ses institutions et les mécanismes de régulation pour mieux piloter les politiques économiques. Je veux parler de fiscalité, budget, politique monétaire et commerciale. Et pour assurer leur impact réel sur le développement socio-économique. Conscient d'un tel enjeu, j'ai instruit d'organiser cette journée gouvernementale en vue d'offrir un espace de dialogue, de discussion et d'échange avec les acteurs concernés par la question de la Constitution et des élections, pour apporter les réponses viables pour une transformation émancipatrice du système politique national. Mesdames, Messieurs,
Depuis la campagne présidentielle jusqu'à mon accession au pouvoir le 7 février 2017, j'ai prôné une transformation de l'appareil étatique et une meilleure participation des citoyens dans la gouvernance du pays. C'est en ce sens que j'ai fait de la réforme de l'État un axe majeur de mon programme politique et que j'ai pris la décision d'organiser, dès mon arrivée au pouvoir, les États généraux sectoriels de la nation. Je savais pertinemment qu'avec de telles ambitions, les blocages et les obstacles viendraient de toutes parts obstruer la voie du changement et du progrès. Le changement, c'est un mot qui fait peur. Le statu quo, c'est ce que certaines fois, je dirais, des élites de ce pays ont décidé d'appliquer. Mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire de ce pays où nous devons dire la vérité, nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Nous ne pouvons plus mentir à ce peuple. Ce peuple qui a passé, je dirais, plus de 2 siècles à souffrir, où les élites de ce pays ont décidé de son avenir, ont décidé de sa transformation. Aujourd'hui, le moment est venu de dire la vérité crue à ce peuple. Un pays où tous nos indicateurs sont en rouge, et pourtant, Haïti reçoit des milliards de dollars, je dirais, et nous dépensons beaucoup d'argent dans différentes réformes. Réformes dans le secteur de l'énergie, réformes dans l'éducation, réformes dans la santé, réformes dans l'environnement. Et pourtant, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le peuple demande une réponse à ces questions. Le peuple veut savoir pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous autres Haïtiens, pour, je ne veux pas dire redémarrer, mais pour démarrer ce pays. Parce que de la mort de Dessalines jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre entre nous. Sur le plan politique, comment parler des partisans du chaos, je dirais, parce que pour moi, il y a des gens qui, des maîtres nageurs en Haïti qui nagent souvent dans les eaux troublées, qui n'aiment pas nager dans de l'eau claire. Et cette eau troublée, soutient toujours l'instabilité à travers des manifestations violentes répétées auxquelles s'ajoute, comme vous le savez tous, le phénomène de pays loc qui a décapitalisé surtout les petites et moyennes entreprises, les véritables moteurs de l'économie nationale. Ces fauteurs de troubles ont fait le choix d'attiser la violence politique plutôt que d'opter pour un dialogue entre fils et filles d'une même nation pour favoriser la bonne gouvernance et faire triompher la cohésion nationale. Il convient de noter également la dégradation du climat sécuritaire qui entrave la libre circulation des personnes, des biens et services avec l'amplification des gangs armés. Pourquoi faire de la politique? Je suis à la tête de ce pays aujourd'hui, je me pose la question premièrement. Je pense que la politique, si quelqu'un décide de le faire, c'est pour servir. Pour servir les gens, pour servir le peuple. Et ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent dans les grandes villes. Et pourtant, il y a des gens qui considèrent la politique comme une ascension sociale. La politique n'est pas une ascension sociale.
ce problème nous donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons des gens qui font de la politique, mais qui sont en panne d'inspiration. Parce que quand vous avez un discours, et ce discours ne peut pas, vous ne pouvez pas l'innover, à ce moment-là, vous n'avez pas la capacité de mobiliser, de plus mobiliser les foules. Et quand vous n'avez pas cette capacité, vous passez directement à la violence. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Le pouvoir vient du peuple. Si vous voulez diriger le peuple, il faut avoir l'aval du peuple. Et si vous, n'avez pas, pays, vous ne pouvez pas le diriger. Et pendant que ça on a pays, ça, président. Et au fin tout là, et au fin tout là, ils cachent des téléphones et blanc fait tout pour eux. Ils mettaient au premier ministre. Les fin tout là, ils fait 33 mois, à voler, à piller, à bouter dans le pays. Hein? Et puis, ils ont 9 cachés dans le téléphone pour blanc comme mettez au président. 9, nous avons 9 présidents, 9 présidents qui sont là, oui. Après, au fin tout, c'est 9 présidents nous avons là, oui. 9 présidents. 9 présidents. Même docteur Claude Joseph, non, mettez président tout, oui, président. Vous comprenez? Même docteur Claude Joseph, petit garçon là, oui. Petit garçon là, il n'a pas mettez président tout. D'ailleurs là, président. Et problème, président, en avance, on entend des présidents. Mm-hmm. Si vous êtes contre les élections, vous êtes contre la démocratie. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur. Ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais, malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections sont considérées comme l'exception de la règle. Mais les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvres de déstabilisation. Sur le plan institutionnel, l'appareil administratif et les institutions portent la marque des pratiques de corruption, de trafic d'influence et de captation des ressources publiques au profit des intérêts particuliers. Ces pratiques constituent un énorme frein à la bonne gouvernance économique. De plus, les autres pouvoirs publics ont fait du marchandage et du blocage institutionnel un outil politique pour parvenir à des fins partisanes non profitables au bien-être de la population. Vous êtes tous ici présents, témoins des difficultés qui entourent le choix d'un premier ministre et des membres d'un gouvernement, ainsi que tous les autres dossiers vitaux pour la nation, par exemple l'électrification du pays, pour lesquels nous avons cherché vainement l'adhésion et la cohésion de l'ensemble des pouvoirs de l'État. L'État est fait pour servir, mais malheureusement, en Haïti, avec l'avènement de l'ère démocratique, avec cette nouvelle constitution de 1987, nous avons mis sur pied malheureusement un État prédateur, un État sensu. C'est cet État que je dirige aujourd'hui. Et vous êtes ici ministre, premier ministre, vous faites partie de cet État. Vous devez vous mettre ensemble pour changer cet État. C'est un État pourri. C'est un État
qui est entre les mains d'une oligarchie corrompue. Volé. Qui est en train de nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Un pays divisé. Mm-hmm. Un pays appauvri. Un pays où ceux qui vivent dans les régions, ceux qui vivent très loin de Port-au-Prince ou bien très loin des grandes villes, pensent qu'ils ne sont pas des Haïtiens comme nous. Et pourtant, ils sont des Haïtiens. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'accès aux services publics. Et pourtant, ce sont des Haïtiens comme nous. Nous sommes des ministres pour ces gens-là aussi. Je suis le président de tous ces Haïtiens aussi. Le premier ministre est le premier ministre de tous ces Haïtiens. Le gouverneur de la Banque centrale, il est le gouverneur de la Banque centrale de tous ces Haïtiens. Et pourtant, ils ne sont pas des Haïtiens. Parce qu'ils n'ont pas droit. Et c'est pour ces gens-là que moi-même je parle, depuis ma campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit haut et fort que les choses doivent être changées. C'est triste de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, des septagénaires, des octogénaires, qui parlent de la transition, qui pensent qu'ils peuvent en fait continuer à garder ce pays dans cette situation délétère. Mais malheureusement, il y a une génération, cette génération dont je fais partie, qui dit non aujourd'hui. Nous sommes courageux pour dire que vous avez dirigé ce pays d'une très mauvaise manière pendant les 30, les 50, les 60 dernières années. Nous disons non aujourd'hui. Et nous sommes prêts à nous asseoir avec vous parce que vous êtes nos aînés. Mais vous devez savoir que juchés sur les épaules de nos aînés, nous pouvons voir plus loin qu'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous sommes prêts à parler, à discuter à tout le monde. Mais nous ne croyons pas dans des solutions cosmétiques, des solutions que nous pouvons considérer comme des bouillons réchauffés. Ces solutions qu'on cherche à nous imposer depuis les 34 dernières années, aujourd'hui, nous autres à la tête de ce pays, nous disons non. Nous voulons de l'innovation. Nous voulons des solutions qui vont en fait aider les populations des zones reculées à sortir de la misère, de la crasse. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons des solutions pour transformer l'État, cet État prédateur, en un État serviteur. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas vous laisser derrière. Nous voulons, avec vous, fils et filles de ce pays, bâtir ce pays, avoir des solutions applicables pour laisser un pays meilleur pour les générations futures, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, dans l'électrification, le projet d'électrification nationale que nous avons aujourd'hui. Sur le plan économique, il a été planifié de créer un chaos économique et financier, afin de pousser la population à rejoindre un mouvement politique séditieux et subversif, démarré le 6-7 juillet 2018. La monnaie nationale, à savoir la goutte, a été l'objet d'attaques récurrentes. La spéculation s'est établie en règle au détriment de l'intermédiation financière, considérée comme la mission centrale des institutions financières. Celles-ci semblent bâtir leur plan d'affaires sur la dévaluation de la goutte. Pour preuve, à mon arrivée au pouvoir, le taux de change était de 69 gouttes haïtiens pour un dollar américain. Au mois d'octobre 2018, soit un an plus tard, le taux de change est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour un dollar américain. De mars à août 2020, le taux de change est passé de 97 gouttes 7 à 121 gouttes 17 pour un dollar américain, soit une hausse de 24%. D'environ 6 mois.
Mesdames, Messieurs, les grandes décisions économiques que j'ai prises ont bouleversé les intérêts de groupes puissants qui ont alimenté le désordre et l'instabilité politique. Oligarques et politiciens. Ces blocages et attaques que je viens de rappeler ont eu pour principal objectif de précipiter la chute de mon administration et d'ouvrir la voie à la transition. La transition est, depuis de nombreuses années, le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. C'est pour ça aujourd'hui, le conseil électoral qui est là parmi nous, je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même. Le soir même, justement. Aïe, aïe, aïe. Et puis 8-9 heures, et vous ne baillez pas, et c'est là. Et c'est ça que j'aime faire en Haïti. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Parce que les élections que nous devons en fait considérer comme la règle, est considérée comme l'exception dans le pays. Ce n'est pas possible. Nous devons laisser un pays meilleur pour les générations futures. Pour faire face à ces blocages de toutes sortes et soutenir la bonne gouvernance économique, mon administration a réalisé des actions de grande envergure, comme le pacte de gouvernance économique et financière signé le 23 juin 2020 entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque centrale, visant à limiter les incidences de la situation des finances publiques sur la conduite de la politique monétaire. La stabilisation du taux de change comme résultat de diverses concertations entre les acteurs économiques et les opérateurs financiers et l'adoption du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement haïtien et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et les associations patronales. La décision du gouvernement de pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et l'arrêté du 30 août 2020, fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal 2019-2020. La création, la mise en place du conseil d'administration et le lancement de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, dont la mission est d'accroître l'offre de l'agriculture par le financement des exploitants et des projets agricoles. La mise en place du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, la réforme dans le secteur de l'énergie, l'allègement du processus et des procédures de passation des marchés publics favorisant une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des travaux, la redynamisation des institutions de contrôle comme l'IGF, l'ULCC et l'UCREF. La mise en œuvre des programmes tels que le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, favorisant l'entrepreneuriat, l'accès au crédit et la création de richesses indispensables au développement économique. De plus, mon administration a adopté deux documents stratégiques majeurs. Le programme de modernisation de l'État, PME 2023, dont l'un des piliers repose sur la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique. Deuxièmement, le plan de relance économique post-Covid-19, pré-POC 2020-2023, dont certains piliers sont consacrés à la diversification de l'économie et au soutien des PME pouvant garantir une croissance économique solide. À ce titre, je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale pour avoir pris les mesures appropriées et les actions adéquates dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, en devenant président de la République, j'ai trouvé un État faible, incapable d'administrer son territoire, de réguler le système économique et financier, marqué par une logique pesée sous ses. J'ai trouvé un faible niveau de cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des autorités locales,
un déséquilibre entre les pouvoirs publics, la difficulté d'application de la Constitution et une obsession de négation des élections pour conquérir le pouvoir par la transition. La réalisation de cette journée tombe à point et je souscris au diagnostic qui met en évidence les fondements constitutionnels et électoraux des problèmes de bonne gouvernance économique, à savoir les défaillances dans l'orientation globale, la planification et le pilotage des politiques économiques, la multiplication des risques de conflits entre l'exécutif et le pouvoir législatif, résultant d'un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs de l'État, la faiblesse des dispositifs d'harmonisation entre l'État et les collectivités territoriales, la situation de conflit permanent entre le président de la République et le Premier ministre, le vide institutionnel récurrent causé par la tenue irrégulière des élections. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique qui nous interpelle à réexaminer profondément le système politique et à faire les choix qui s'imposent pour une meilleure gouvernance, et ceci à tous les niveaux. J'invite les acteurs politiques, les groupes organisés de la société civile et chaque citoyen à s'engager dans le respect du jeu démocratique qui mettra le pays sur la voie de la transformation et du changement réel. C'est la responsabilité de chaque citoyenne, de chaque citoyen, de faire preuve de dépassement pour prioriser l'attachement à la sauvegarde de la nation, à la sauvegarde de la souveraineté nationale. Peuple haïtien, frère Maxime, yo, haïtien qui vivent dans quatre coins pays, les gens qui vivent dans BDN, dans Tibiron, dans les Iwa, les gens qui vivent dans Grand Gosier, dans Sapit, les gens qui vivent dans Cognon Grand Bois, les gens qui vivent dans Bois de l'Ouest, Sylvestre, Mont Organisé, les gens qui vivent dans la diaspora, ceux qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, les haïtiens qui vivent dans Guyane, dans la République Dominicaine, dans Chili. Mener pays à ce chemin de développement, c'est une volonté, moi pas jamais suspendre, manifester, dans souci pour arriver à transformer la vie de chaque haïtien et chaque haïtienne. Volonté PAM, d'ailleurs, c'est lui qui fait que dans pile turbulence, en pile problème, et en pile bagaille parfois que nous payons, ces décisions que nous prenons pour nous mettre l'État dans le service peuple. Volonté PAM, c'est combattre force fait noir qui veut quimber l'État en otage. Volonté PAM, c'est être griffe monde qui comprennent que l'État c'est yo, que l'État c'est pour yo, sur l'État. Tout ça, c'est une façon pour nous dire nous, pas qu'à gagner bonne gouvernance économique sans nous pas m'accorder à une bonne gouvernance politique. Dans ce sens, ça, référendum sous constitution à élection, c'est deux plus gros outils peuple a gagné en main pour décider qui j'en veux pour payer l'organiser. Qui mode l'État livré et qui bénéfice les rejoindre pour tête pâle. Pour petite li ak petite li. Comment pour comprendre qu'on peut les bagnes droit pour dire comment le veut pour les diriger, pour les diriger lui-même? Comment pour comprendre en dame, en constitution, il met le peuple dehors la dame? Comment pour comprendre en dame, constitution, un groupe monde qui est le diaspora qui met dehors la dame? Il met dehors. C'est la peuple qui veut décider pour dire mais qui est livré pour venir diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-coute. Pouvoir pas prendre un amitaille. Nous-mêmes, nous pas un petit passe-coute. Nous pas un amitaille pour voir peuple. Pouvoir prendre une élection. C'est peuple qui peut bailler pouvoir et c'est lui qui peut choisir le monde qui lui fait confiance.
c'est le peuple qui doit mettre destin. C'est lui qui doit mettre destin dans le choix qu'il a fait. Ce n'est pas personne. Nous-mêmes, nous croyons dans la démocratie triompher. Nous croyons dans l'alternance politique, dans l'équilibre du pouvoir public. Nous croyons dans l'élection. Moi-même, moi là, je vais aller. L'aime bois les moun kap venir, c'est peuple là pour dire mais qui moun li. C'est pas gros ami n'importe où prince. Ni gros ami politique, ni gros ami économique. Mon grand gros ami, peuple haïtien. M'a goumé pour me tourner pouvoir Bali, pour lui même les choisir moun qui pour diriger. Et j'aime quand on est pouvoir Bali, c'est dans élection. C'est là, on est qui veut diriger le pays, sous ta fond rêve, réveillez-vous. Transition finie. Bye bye, mon soko. Ça finit net. Pas rien ça encore parce que Farine n'a pas vu dans le même sac là. Pas rien pression, pas rien parler de cause à président dans les oreilles que il y a un problème. Seul problème qui vient aujourd'hui à son problème, élection. Avec dit tout le monde. Chaque pagne une botte à l'acheter, mettez une botte, montez dans le monde. Faites campagne. Faites formation pour nous connaître, nous avons pile de monde dans le pays qui va conduire. Faites formation pour vous comprendre. Ou même discours pour qui sauve les vannes, sauve les dios qu'on gagne pour vous dans le diacoutou. C'est ça, je dis, pour rien pour faire. Mais si c'est dans la radio, vous êtes toujours, vous avez toujours fait. 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler l'élection en amour. C'est pour ça. Après vous, dans l'élection, papa, quand vous avez un boulet carousel, le résultat, c'est pour vous connaître même vous soir. Pour tout le monde qui perdit, vous avez perdu. Ça gagne, vous avez rien. C'est difficile pour un monde qui a fait politique de comprendre que il y a une retraite dans toute bagaille. Moi, mon arrivé, même sur mon job, mon arrivé, c'est pour la voilà, retraite. Ça veut dire, l'État m'a fait la retraite, là, c'est 25 ans, c'est ça. Après 25 ans qu'on fait, dans la fonction publique, là, ou dans la retraite. Même dans la politique, là, tout faut qu'il y ait une retraite. Il faut qu'il y ait une retraite dans la politique. Faut une retraite pour la jeunesse, vini, on y a lui-même, le vini pour placer, pour venir faire politique. Parce que politique, j'en nous dit, moi-même, pendant 4 ans, expérience que je fais là, je comprends que politique fait pour servir le monde. C'est pour ça que pendant le président machine dans tout le pays, je vais servir le monde, bonne décision pour mettre lui maintenant, dernier côté dans le pays. Ça, c'est lui-même, nous connaissons qui ça, ça te fait. Qui quantité du fait qu'elle mettait dans le pays. Mais pas oublier, peuple là. J'ai un saut de cléo là. Un saut de cléo avec gros caoutchouc, gros lumière, du feu. On va le cléo avec électricité, avec bon courant. Parce que lumière, ça, un saut de baoua là, son lumière qui détruit, son lumière qui boule à faire, son lumière crasée, brisée. C'est pas dans la lumière, ça me quitte. Et c'est pour ça. Tout le monde qui a besoin pour voir, je dis là, c'est pour aller dans l'élection. Pour venir dire que nous-mêmes, je dis à commencer dans l'affaire électricité, pour venir dire dans Jacques-Loup comment on va continuer. Parce que nous avons quitté un document qui pour montrer toute réforme électricité, pas à pas, nous prenons, parce que nous avons quitté un document pour nous dire réforme électricité entre 2020 et 2030, mais comment vous le faites. Pour tout le monde suivre, ça veut dire que vous voulez prendre le pouvoir. Je dis, on a commencé lui-même, nous dit que dans une série de zones, c'est diesel, c'est solaire. Nous, dans le document, il va y avoir exploitation d'énergie éolienne, il va y avoir exploitation de biomasse. Ça veut dire qu'il va y avoir une date qui est pour vous faire. Ça veut dire que c'est ça aujourd'hui à vous faire. On nous construit ensemble. On nous suspend détruit. On a détruit ensemble trop longtemps. Et c'est ça qui mettait nous là aujourd'hui, qui fait nous gagner respect, notre peuple. Sur la terre. Nous sommes le premier peuple noir indépendant. Nous sommes en agrotte. Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour ne pas scout. Nous sommes pour nous toujours là. Parce que nous sommes en train de faire pas là encore.
C'est pour d'accord. Le temps pour la fini, parce que le génie n'a qu'un siècle. Le temps pour la fini, c'est un pas en l'autre. Qui vient, c'est pour voir que l'eau que table a desservi, c'est pour retirer quoi. Ou bien une autre équipe, un autre groupe de monde, ou bien la jeunesse place pour eux-mêmes, pour être capable de mener le pays à côté que vous devez mener. Je me suis dit, l'homme fait que mon président me mettait sous pied un gros comité. Je voulais parler de groupe de monde qui travaille sur l'état général sectoriel. L'homme fou, j'ai gardé le rapport comité pilotage avec le secrétariat technique état général sectoriel national. Sous affaire gouvernance politique, dans ce qui concerne l'élection à la constitution, il dit à clair, la constitution 1987 là, c'est une source d'instabilité politique qui empêchait l'État de faire bon genre de développement et puis assurer une bonne gouvernance économique. On prend l'exemple. Diaspora a participé à l'activité économique du pays. On a envoyé passer 3,5 milliards de dollars dans le pays chaque année. Diaspora n'a pas participé à rien qui n'a pas avec politique. Diaspora n'a pas participé à rien. Limite diaspora, c'est directeur général. Diaspora n'a pas ministre. Diaspora n'a pas premier ministre. Diaspora n'a pas député. Diaspora n'a pas sénateur. Diaspora n'a pas président. Mais content de vous voir comme, j'aime toujours dire, on sait le verbe qui conjugue, c'est le verbe, et le verbe envoyer. Je dis à diaspora, livre conjugué, on l'autre verbe qui est le verbe participer. C'est ça le débat. Il y a le vide dans tout ça qui a passé dans le pays. D'ailleurs, nous connaissons, un peu le monde qui connaît et qui a un gros moyen comme haïtien, c'est diaspora. Je dis, il faut nous faire porte pour eux, pour permettre qu'ils soient capables de venir dans le pays, venir travailler, venir investir. Problème équilibre dans le pouvoir public. Le pouvoir public n'est pas jamais arrivé à tout le monde. Nous avons été pour nous coller le morceau, pour nous jouer de coquin, pour nous créer. Ça veut dire instabilité. L'entendre, c'est que c'est politique m'a fait. Mais politique, quoi faire? Politique fait pour qui ça? C'est pour le bien-être collectif que politique fait. C'est pour nous vivre plus bien. Nous pas capable faire politique pour être capable de chercher les gens pour mettre profit en bas pied président pour le tomber ou même pour une fontaine coup. Pour mettre profit en bas pied pour le ministre pour le tomber pour une fontaine coup. Politique doit faire pour servir les gens. Depuis 34 années, c'est seulement 3 présidents qui ont fini le mandat. Je n'ai pas oublié, je vous dis, je suis supposé 7e président. Après 34 ans, je crois qu'on prend tout président net. Je n'ai pas oublié, parce que le président, vous voulez oublier. N'oubliez si général Abraham a fait 48 ans, président. N'oubliez ça. C'est pour nous mettre tout président. Ça veut dire que c'est 19e président. Exactement. Et je suis supposé 7e. Ça veut dire qu'il y a 12 présidents passés qui sont supposés présidents pendant 34 ans. C'est pour montrer bon problème. Nous passons 33 premiers ministres. Ça veut dire que les premiers ministres ont passé en moyenne seulement une année dans le gouvernement. Comment vous dites pour être capable de mener une politique de développement de nos pays? Comme même la constitution, ça dit le président est un mineur. Ça veut dire que le président vient faire élection. Son premier ministre qui est là pour implémenter toute action, toute promesse président. Premier ministre, ça n'a pas qu'à faire. Mais ce n'est pas mon cap de dire, c'est la réalité. Il n'a qu'à faire plus qu'un an dans tel gouvernement. Moi-même, je suis un exemple. Dans le 4e ou 4e premier ministre. Ça veut dire pour nous dire que nous comprenons. Nous n'avons pas qu'à parler de développement comme ça. Je dis à CAPT, c'est pour nous peser.
gros savé dans le pays d'Haïti, gros intellectuel. Mettez vos lunettes pour nous. Ouais. Nous pas de moyens pour continuer à faire payer à ça. Nous avons des gens qui ont demandé pour force morale, yo, pour mettre tête ensemble. Mais pour mettre tête ensemble pour transition. Hein? Mm-hmm. Mais je dis à force morale, pas mettre tête. C'est force immorale qui met tête ensemble pour transition. Volé. Force morale a mettre tête ensemble pour élection. Ça veut dire que c'est des situations qui compliquent en pile que nous vivons. Et les situations sont un gros problème. Le pays n'a jamais développé comme ça. Il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions pour l'avenir du pays. Et puis, côté lié à la gourmet pour le rester là. Malgré nos élections, nous faisons campagne. Première élection, il y a une élection. Dans la première élection, il y a des gens qui étaient en élection ensemble avec moi, qui étaient candidats pour le président. Dans la deuxième élection, il y a un candidat pour le sénateur. André Michel, et puis, deuxième élection, ça a fait, qu'on y a aujourd'hui, bon calcul arithmétique, pas comme côté, qui fait nous montrer que c'est dans la première élection qui est passée. Mais oubliez, si c'est eux qui crasent la première élection, ou pas qu'à bénéficier de propre erreur. Justement. Ou t'écraser première, ou font petit coup. Maintenant qu'on y a, ça va nous faire. Comme il y a une nouvelle constitution, un référendum, mettez là d'après chaque 5 ans président, il faut y avoir un an de transition. Laissez là dans la loi. La plus simple, nous n'avons pas besoin d'aucun brigadier. Donc le président finit l'aller et puis petite transition, nous faisons un coup de panneau et puis élection faite pour l'autre monde. Mettez-le. Parce que c'est ça, c'est vérité ça que nous refusons de dire. Nous avons trompé, nous trompé le peuple ça trop longtemps. Nous faisons toute vie, nous avons mal menti. Et lui, tu réveilles nous. Réveillez nous parce que je dis à notre tête l'État, je comprends bien qui ça l'État veut dire. Je comprends qu'en Haïti, le plus gros employeur c'est l'État. Je comprends ça. Mais pas faire gros l'estomac, gros poignet. Venez nous chiter à parler. Si vous avez un petit mot sur place pour là, pour chercher un genre, vous avez un peu. Mais pas faire gros poignet comme si vous comprenez que c'est une crise brisée. Que nous prenons le peur, ou bien nous courir pour une bonne élection avec notre pays. Nous allons voir comment nous courons nous-mêmes. De vous faire qu'elle nous saute, Chita nous chita. Chita nous chita. Ça veut dire. L'important pour que je dise, pour nous gagner une constitution côté peuple là. Car est clair là-dedans, mes amis. Il faut que le peuple soit plus clair. Il faut comprendre, c'est pour ça. Texte, c'est pour le clair. Contre le coq. Pour nous comprendre clairement, côté au quoi voter. Pour qui ça au quoi voter. Et c'est pour ça, me demander, c'est pour le texte là. Il faut le publier, il faut le sortir. Pour nous commencer, ouais, qui côté, pour que le débat commence à faire sous lui. Mais ça n'est pas bon, mais ça qui est bon. Faut le texte là public, parce que si le référendum non. Date que le Conseil électoral a été proposé pour 25 avril là, pour nous-mêmes, pour nous respecter, je dis à Gentan, nous avons fin mois janvier, 28 janvier, ça veut dire qu'il faut nous mettre, mais retirer bas là, retirer l'en bas mal là côté là, mettre le dehors pour que ça vienne dans le pays, commencer à regarder, pour les gens qui sont dans la province, commencer à l'île, pour comprendre, pour discuter, maintenant, l'université a. Président Kopi Akila, ça veut dire voyel by tout le monde, tout côté net. C'est un exercice transparent qui vous fait. C'est pour nous voyel by tout consulat pays d'Haïti dans tout côté sous la terre. Zanmi nous dans l'international, voyel by tout.
tout le monde, tout leader communautaire. Et puis tout, faut que j'empêche, il faut faire rapidement pour traduire dans le créole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Faut que monde qui ne comprend pas le français tout, pour être capable de comprendre ce qui est dans le texte, pour eux-mêmes pour faire proposition. Ce n'est pas la constitution président qui vient faire pour lui, ni l'équipe qui a le pouvoir vient faire pour tête. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets ça, nous, c'est sous ça que le gouvernement limite. Parce que lui-même, le gouvernement qu'on est clair que année ça, son année, il est là pour le faire, élection à référendum, même j'avais pour nous faire. Nous ne pas arrêter parce que tout le monde connaît l'on peuple. Bon mandat, bon moment fini, ça allait pour aller. Pour bah, l'autre monde diriger. Ça veut dire, messieurs, dames, qui n'ont comité consultatif yo, indépendant, nous connaissons indépendants, c'est vrai, nous avons une grosse pression. Mais l'État, pour dire à 28, pour nous être capables de mettre à la dehors, pour tout le monde comprenne, pour ne pas marcher pressé, ça veut dire nous avons pratiquement 3 mois de référendum. Non? L'État bon pour le premier débat qui commence à faire. C'est ça où il est. On ne souffre pas rien, les gens nous disent. La gare est en bouillie. Pour ça, comment c'est fait qu'on y a. Pour tout le monde commence à faire réflexion. Parce que la Constitution, ça, je nous dis, pas de droit à gagner monde qui dehors la donne. Pas de droit à gagner monde qui dehors parce que c'est dans le monde dehors qui mettez nous là. Oui. Chaque temps, nous mettons l'équipe monde dehors.